Assise, c'est dommage, mais il y a quand même la demi de la petite finale. Ah, ça fait plaisir. Il nous propose quand même la petite finale. Shiroitachi contre Inbe, Makoto contre Guy. Ça aussi, bon, pour le moment, ça se passe plutôt mal. On va dire pour Inbe qui a subi complètement le match. Et c'était une counter. Allez, il fait soit gros pied, un petit jump cross up, bas gros point, rebas gros point. C'est le medium punch dans le pic, deuxième petit check. Oui, c'est plus où est le nord. Le nord, le sud, il est sur Grand Line. Là, y a, la boussole fonctionne plus. Le pauvre Inbe, il sait plus quoi faire. Et tente une petite chope, c'est des chopés. On a glissé de la wifi, c'est Taicho. Directement, et il l'envoie l'autre bout de l'écran avec sa Yate. Allez, balle de match pour cette demi, pour cette petite finale, hein, pour disputer évidemment la troisième place de ce ranking battle à Cho. Ozanto, c'est dans la gare, allez, medium punch Ozanto. Il y a un petit mieux parti Inbe quand il maintient le pressing comme ça, c'est bon. Mais on voit à quel point Shiroitachi connaît les trous au travers des pressings. Ozanto s'amène jusqu'au coin, bah high punch, et là ce coup-ci il met un petit décalage chop. Attention au beau drop, le bas gros point s'est gardé, Tsurugi aussi gardé. D'achèvement chop, il aurait même pu mettre un Karakusa à mon avis, mais faire une back trop pour mettre proche du coin d'achat dans Karakusa. Dive punch à fat, medium punch, et il a voulu dasher pour resetter. Et dans le reset, on a bourré un target combo du côté d'une pure, c'est pas mal le cross down. Et ça ne passe pas. Et tu vas prendre le Omoterenge. Omoterenge, le voici. Allez, peut-être une occasion pour Inbe. Bien joué, Demon Chop, de remporter ce deuxième round. Alors aussi, on a eu une phase complètement folle avec Shiroitachi qui nous fait un dash avant cross down sur l'airborne et qui envoie l'ultra en pensant que l'autre il va pas mettre sa garde au bon endroit ou qu'il a bourré quoi que ce soit. C'était quand même très très hasardeux cette tentative d'ultra. On utilise la plupart du temps l'Ultra 2 pour punir les whiffs ou pour fuir, hein, comme on l'a vu sur MDR. C'est vraiment une Ultra uniquement utilisée pour la fuite et pour pas encaisser tout le pressing de Rufus dans le coin. C'est incroyable, hein, d'estimer qu'une Ultra qui permet de fuir va être plus fort qu'une Ultra super rentable qui passe derrière une shop spéciale. C'est dire à quel point, à mon avis, il a peur de MDR. Bien joué, cette saving qui passe, allez c'est parti. Oh non, ça whiff, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est encore ça? Il y a un angle mort là-dessus. Il est pas dans le rétro, il prend avec sa Sumake. Il est en difficulté là sur un gros point, Stan gros point avec son Roshi, tout est gardé. Avec sa Yate, ça rattrape le backdash. Shiroitachi a quasiment zéro de vital qui affronte pour le moment Inbe. Le dash overhead, c'est gardé. Il est en difficulté, Shiroitachi. Il a encore son ultra backdash qui évite la glissade. Dash avant, il va mettre l'ultra et ça trade sur le saut arrière. H-kick de Inbe. Inbe qui remporte cette petite finale et qui termine 3ème de ce premier ranking battle sur Super Street Fighter 4.